Et salut YouTube, c'est Rockstar, nouvelle vidéo de Dead by Daylight Killer avec Michael Myers, un build que je ne vous présente plus. Petite vidéo un peu plaisir pour faire donc une petite game. Ça se passe sur Crotus, on joue donc avec la pierre tombale, l'intervention impure donc de l'épidémie qui va vous permettre pendant les deux premières minutes de la game eh bien de faire un maximum donc de stalk sur les survivants et de passer donc le plus rapidement possible en mal intérieur 2. Vous allez ensuite pouvoir stack donc à 99% votre mal intérieur 2, et lorsque vous aurez donc un survivant à portée, vous allez l'activer et vous allez pouvoir le mori instantanément. Afin de stack le mal intérieur le plus rapidement possible, vous allez donc prendre la combinaison d'addon du journal de Judith et bien évidemment la morsure, le morceau de pierre tombale. Le journal de Judith va augmenter donc de 40% la vitesse à laquelle le mal vous envoie lorsque vous traquez une obsession. Et afin de faire un build orienté autour de l'obsession, vous allez avoir l'ennemi juré qui fait que lorsqu'un survivant eh bien, vous aveugle ou vous étourdit avec une palette ou un casier, il va devenir votre obsession et vous allez avoir donc l'effet donc de statut donc d'inconscient qui va donc le toucher pendant une minute. Vous verrez son aura pendant 4 secondes. Vous ne pouvez cependant avoir qu'une seule obsession à la fois. Vous allez avoir l'ouverture de la chasse de la marchande de crâne qui fait que lorsque vous allez donc détruire les murs ou les palettes, vous allez avoir un statut de rapidité de 5% pendant 10 secondes. Et enfin, le jouet avec la nourriture, vous avez donc les 3 jetons qui vous permettront d'avoir une vitesse de déplacement augmentée de 5% par jeton à chaque fois que vous laissez votre obsession donc s'enfuir. L'idée dans ce build, c'est vraiment simple. Lorsque vous allez avoir donc une cible en face de vous, même qui n'est pas votre obsession, vous allez forcer donc la palette, ce qui fait qu'elle va devenir votre obsession. Vous allez donc pouvoir la stock beaucoup plus rapidement. Ensuite, lorsque vous avez détruit les palettes, vous aurez le bonus de rapidité et vous aurez en plus de ça les stacks de jouets avec la nourriture. Vous allez donc à chaque fois jongler comme ceci avec les survivants pour essayer à chaque fois d'avoir en chase votre obsession. Une fois que vous êtes donc en mal intérieur 2 à 99%, vous allez tout simplement activer donc la pierre tombale et vous allez pouvoir tuer instantanément le survivant. Vous pouvez faire ça 2 fois. C'est un build vraiment très fun, très efficace. Donc je vous laisse le redécouvrir à nouveau. Si jamais le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sûr des BD et bonne chasse à tous. Pierre tombale. Et quand je suis arrivé sur Ignance, première fois que j'ai vu de la game, bah je l'ai mori quoi. Voilà, et du coup on s'est rencontrés comme ça. Elle m'a vu, et puis bah elle a mouru quoi. C'est ça. Ah. What? Ah oui, d'accord, ok. Parfait. Mais tu vois, ça c'est bien aussi. Parce que... tu vois, ça c'est bien. Parce que... non mais, d'un autre côté, tu vois, ça c'est bien. Parce que comme ça, en fait, ils peuvent aussi ne pas se douter que j'ai la pierre tombale, tu vois. En mode... le mec, il m'a blessé et tout. Les gars, c'est pas un pierre tombale, ils vont pas se méfier. Et boum, ça dégage. Salut Nouva! Parfait. Parfait.
Ok, elle est morte. Tu vois? Je te l'ai dit en fait. Quand c'est comme ça en fait, des fois quand tu tapes en fait un mec. Mais non, mais en fait quand tu tapes un mec, tu vois, ils vont se dire ouais c'est tranquille, c'est pas un meilleur SP3, enfin c'est pas un meilleur spear tombal, tu vois. Et en fait après tu peux surprendre un mec comme ça. Parfait. Bon. Au moins j'ai eu mon défi. Elle passe en P2. C'est pas cool. De quoi c'est pas cool? Bon non, je triche pas là. Pourquoi je tricherais? Je suis absolument pas en train de tricher là. Ça, Lunéa. Ah, bah la give up du coup là. Ah, monsieur Tap. Tape moins en une. Bah. Subaru! Là, il y a une palette. Ça ne dérange pas, moi. Hop là. Ok. Et là, du coup, il y a juste à trouver le collègue et le collègue et c'est bon, quoi. Oh, salut, collègue. Pas grave, on l'a eu. Fini. Ouais, dommage, ouais. Ah ouais, j'avoue, les 4%, ouais. Tu tentes les 4%? Non, il les tentera pas. Non, il les tentera pas, il les tentera pas. Il y avait la palette, de toute façon, je pouvais pas... J'aurais pas pu l'avoir, et après, il y avait les casiers, donc... j'aurais pas pu le morir, quoi. Il les tentera pas, parce que... Il sait très bien que s'il y arrive, après, je peux le morir instant, donc il les tentera pas. Dommage. Allez, GG. Ça dégage. Il y avait le petit mot tué.